Bonjour. Bonjour la reine Fatou. Bonjour, bonjour. La reine Hortense. Bonjour le roi Eman, comment tu vas? Bonjour à tous. Ici, c'est la reine Lumière. Elle a dit, tu m'appelles reine mère moderne. Ok. La reine Juna. Bonjour, la reine Patricia. Bonjour la reine Kalanga. Bonjour Promesse. Queen of Light. Yes, it's me. Je touche juste avec vous pour vous donner quelques. Mais on va laisser l'esprit diriger. Hein. Vous-même vous connaissez que quand il me pointe, je me pointe ici là. Parfois il vient pour dire quelque chose, j'arrive et dit plutôt autre chose. Il vient pour faire quelque chose, après ça tourne plutôt que d'autres choses. Allô? Allô? La reine Léna, tu dis que tu m'aimes. Déjà, je veux vous dire merci pour votre soutien. Merci. J'ai tellement. Beaucoup d'entre vous, vous me donnez beaucoup de témoignages. Vous me donnez. De l'amour, on va dire ça. Allô? Entrée lycée, Pépanda. Entrée lycée. Vous descendez comme si vous alliez à l'axe Loup. Il y a un cordonnier qui est sur votre gauche. En face de ce cordonnier, il y a un immeuble de 4 étages, c'est au quatrième. Bonjour. Bon, je vais donner quelques points. Je demande l'assistance des ancêtres du Saint-Esprit, la lumière de la Vierge Marie, la reine des reines. Je nettoie mon esprit, mes oreilles. Je déclare que je parle clairement. Je suis inspirée. Et ce que je dis va vous toucher exactement là où vous êtes. Et vous allez entendre exactement le message que vous avez besoin d'entendre pour cette saison de votre vie. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.
Je vais juste, je vais modifier quelque chose. Je vais parler à beaucoup de femmes ce matin. Beaucoup de femmes. Les consultations que j'ai, que j'aligne chaque jour, il y a toujours quelque chose qui revient. Beaucoup de femmes sont rabaissées, amochées, cabossées, caricaturées dans les relations dans lesquelles elles sont. Vous entendez des paroles comme tu ne seras jamais rien sans moi. C'est moi qui t'ai mis là où tu es. C'est moi qui ai fait de toi ce que tu es. Tu n'es rien sans moi, ta famille n'est rien sans moi. Tu ne peux pas avancer. Si elle te laisse, aucun homme ne peut te prendre. Quand il finit de dire, toi maintenant tu t'assois, la cassette joue dans tes oreilles. Tu arrives un jour, quelqu'un te parle mal. Merci la reine Bwende. Quelqu'un te parle mal, ça tu commences à douter de toi. Ah, je croyais qu'il était même qui. Tu entends mon direct, je dis que tu vas avancer, tes choses vont prospérer, nanana. C'est ah, dans ce qu'elle dit là, non, c'est le mensonge. Dès qu'on te parle d'argent, que tu auras, non, tu vas voir tes choses vont marcher. Que tout ce que tu vas toucher va marcher. Ah, depuis que j'ai 15 ans ou 17 ans, c'est lui qui me donne l'argent. C'est lui qui me dirige. Comment est-ce qu'il peut croire que j'ai fait quelque chose à marcher seul? Josla! Alors, des coachs indiquent à la femme si. On lui indique l'endroit. Comme si vous aimez tout marquer un pas avant qu'on vous appelle pour dire là. Écoutez, personne ne détient votre vie dans ses mains. Il y a des hommes que vous êtes sous eux, donc tu sois avec lui. Question business, tu peux faire 10 fois plus que lui. Parce qu'il finit, prêt pas boire. Il paye donne à 3, 4, 5 femmes. Bonjour la reine Fatima. Alors que toi, tu vas prendre ce que le business va donner, tu vas encore injecter dans le business. Tu prends comme ça, tu déposes encore, pam, fonds de commerce, premier mois, 100 000. Deuxième mois, 400 000. Troisième mois, 700 000. Alors quand c'est lui, c'est premier mois, 100 000. Deuxième mois, 150 000. Troisième mois, 175 000. Quatrième mois, 179 000. Il y a beaucoup d'entre vous, vous êtes mis dans les relations, vous n'étiez pas encore pleinement dans votre potentiel. La personne-là t'empêche d'ouvrir tes ailes. Et vos hommes-là connaissent votre puissance. Hein? Ils connaissent votre puissance. Hein? Donc le jeune homme qui est avec toi comme ça, là, il connaît que si la fille se rend compte un jour, souvent ils vous disent non, que quand elle couche avec toi, j'ai la chance jusqu'à. Que quand elle je viens, qu'il suffit seulement qu'elle te rencontre, que je veux seulement te voir. Je veux seulement te voir. Il te voit, il te touche, il te dit ouais, j'ai tel souci. Il t'explique son problème. Tu écoutes, tu lui dis fais comme ça. Il part. Il fait 6 mois avant de t'appeler. Alors qu'il est venu là, on s'est là à négocier. Oh, oh ma chérie, non tu sais, non, non, quand mes affaires vont donner, on va se marier, non, non. Écoutez, arrêtez d'être bête. Arrêtez. Je vous dis moi sincèrement, simplement, donc tout ce que vous voulez, le manque là. Qui vous a dit que ne pas avoir de gars dans sa vie, c'est l'anomalie? Qui vous a dit? Ah, ma reine, tu sais, ça ne va pas. Ma vie. Wow. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai 43 ans, je n'ai pas d'homme dans ma vie. Et puis? Et puis?
qui m'a insulté hier. En fait, son injure est venue depuis longtemps, mais comme ce message n'arrive pas directement dans ma boîte, tu peux voir ça après quand je veux. Le jour où je veux passer là-bas, regarde. Il y a des gens dans votre vie que leur message ne doit pas arriver directement dans votre inbox. Parce que souvent, aussi, les vies vont venir comme ça, la voir comment ton visage brille, que mince. Elle a mis quelle lune sur son visage ce matin. Faut que je lui envoie un message qui va la piquer comme ça. Faut commencer les aigris là. Que ce soit vos tantes, que ce soit vos je ne sais qui. Il me dit, ton idole, ton dieu, c'est l'argent. Il dit, ok. 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 Écoutez, mesdames. Une femme qui n'a pas l'argent, c'est une esclave. Je vous dis, moi, hoha. Esclave de ton patron. Esclave de tes parents qui te donnent l'argent. Esclave de ton gars. Je n'ai même pas dit qu'on peut être heureux sans l'homme, mais tout ce qu'elle dit, c'est que tu m'écoutes, tu n'as pas d'homme dans ta vie. Il n'y a rien d'anormal sur toi. Arrête de dire que gna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 gn
Donc j'ai décidé de prendre ma vie en main. Au revoir. Ciao. Ils vont vous checker. Écoutez, c'est pas valable seulement pour les femmes. Hein. Il y a les hommes qui viennent dans ta vie. Il y a les femmes qui arrivent dans la vie de certains hommes pour les finir seulement. Je veux la perruque, je veux ceci, je veux ça. Ma mère veut ça. Mon maman veut ça. Mais vous, je parle pour les femmes. Il y a. Quand je parle, on sait les 100 lonçons de ça, ça me plaît moi-même. Ah, au point. On vous a trouvé fait comme ça là. Bonjour, la reine Sylviane Gamgen. La reine Meka, bonjour. On te prend, on te malaxe, on te mélange, on te ceci. Tu économises un peu. Dès que tu as 5000 euros comme ça là, problème. Tu sais que tu es ma femme, non? Tu es mon bébé, non? Tu sais que. Non, ça va, on va en juin, ça va aller en juin. Voilà décembre, ouais. Ce que tu as passé, on a économisé là. Et comme tu as mis le cœur et les organes sur, arrêtez vos cœurs. Dès qu'il arrive, il parle comme ça, ta main est sur ta carte bancaire. Tu veux combien? Ma chérie, tu as travaillé combien de mois pour économiser l'argent? Hein? Non, dis-moi le nombre de mois. Tapez ça dans les commentaires, s'il vous plaît. Certains de vos gars, vous les avez mal habitués. Mal. Il prend son salaire pour manger sur n'importe quoi. Il sait que tu as toujours l'argent. Écoutez, les choisis ne manquent jamais. On ne manque jamais. On ne manque pas. Montez, vous descendez. Maintenant, vous devez savoir comment déposer ce que vous ne manquez pas. Achète les terrains, tu mets au nom de tes enfants. Si tu manques, ce que tu vas faire avec ton argent. Bonjour les rois et les reines. Bonsoir la reine. Bonjour la reine Kagwe. Bonjour la reine Katina. Je vais très bien. Je vais très bien. Je ne vais pas bien, je vais très bien. Achetez les terrains. Mettez au nom de vos enfants. Cadotez les terrains. 12 mois. Tu prends 12 mois, tu économises quelque chose. Quelqu'un vient. Oui bébé. Parce qu'il est venu, t'as bien fait l'amour. C'est quel genre d'amour? Hein? C'est, supposons 15 minutes, c'est fort. 20, mais non, 20 minutes, on est gentil avec les hommes. Tu viens porter 6 mois de travail et d'économie. Tu fais comme ça là. Tu donnes. Tu es normal. Tu es normal. Allô? Bonjour monsieur. Oui monsieur. Je demandais, tu n'as pas bien fait ton devis. Fais-moi un devis encore, tu m'appelles dans une heure. Moi, j'ai mon business devant vous. Hein. Qui a dit que 15 minutes là? Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose sur les hommes là-bas tout à l'heure. J'ai dit que yeah. 15 moins. 15 minutes, c'est le fort. Hein. Les hommes, excusez-nous. Hein. Ouais, Seigneur. Attendez, j'aime bien ça. Regardez. Tu prends 6 mois, tu vois ton argent comment ça augmente. 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros, 4000 euros, 5000 euros. Tu commences à voir ce que tu vas faire avec.
Quelqu'un arrive. Mignon comme ça. Hein? Il a les tablettes de chocolat. Quand les hommes vous prennent souvent les femmes là, qu'est-ce qu'il... Il te fait quoi que tu ne peux pas faire pour toi-même? À part l'amour, hein, donc on met que toi-même tu peux avoir le pays pour mettre à toi là, supposons. À part ça, il fait quoi? Beaucoup d'entre vous, parce que dès qu'il arrive, tu es complexé. Ah, oh, hey, j'ai aussi dit que j'ai l'homme dans ma vie. Hey, j'ai le mari. Mon gars, oui, j'ai dit mon mari. Tu payes le titre en fait. L'homme, c'est la valeur aussi qu'il t'apporte, maman. Écoutez, hein. Il y a les hommes de valeur là-dehors. Je ne veux pas vous mentir. Quand tu aussi te demandes de baisser tes standards, tu aussi te demandes là comme ça là. Quand il arrive, tu travailles de 6h à 23h. Tu rentres, quand tu te couches sur le lit, c'est seulement à peine qu'il te touche. Tu tombes et tu dors. Tu reviens encore. 6h, 23h. Lui, de son côté. Monsieur Tenyo, qui de mes directs, je sais que toi, tu as beaucoup d'enfants. Je ne veux pas parler pour toi. Ouais. Monsieur Tenyo, Takanan, où tu as? Bonjour, la reine Joséphine Magne. Qu'on pèse aux agents à la fin du mois. Tu as 5 fois plus. Et il y a les hommes qui savent que, comme je parle, c'est que ma femme a l'argent. Ma femme va prier pour moi. Donc même si elle ne prie pas, elle m'en fout. Ma femme prie. Ma femme a l'argent. Il arrive dans ça. Mais il connaît ce que tu aimes. Thank you, la reine Happy. Thank you. Il connaît ce que tu aimes. Que tu te fasses chaque jour. Ouais, arrête de boire, non. Ouais. Quand il veut l'argent là, les 3 jours là, il ne va pas boire, il ne va pas fumer, il va rien faire. Il va rentrer à la maison à temps. Il ne va pas appeler ses amis, il ne va rien faire là. Tu arrives, tu dis, hey, peut-être qu'il a changé. Hey. Il commence à faire aussi ses bains. Tu dis que lave-toi avec le sel. Il se lave à temps. C'est même lui qui te rappelle que B, tu as oublié de faire ton bain, oh. Tu dis, peut-être que j'ai trouvé mon tchinchala. 3 jours plus tard. B, tu sais, j'ai un petit problème là, B. 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 Anticiper B. Tu rentres le soir, tu lui dis que, hey, il y a un terrain de 25 millions là que je dois finir de payer. Maman, tu ne peux pas m'aider à 25 millions là. Écoutez, mais. Que j'ai les factures sur le chantier là jusqu'à. Maman. Tu vois, les achats que j'ai fait aujourd'hui là, non, 3 millions. Je t'ai dit, il m'a dit que c'est fini, il faut encore acheter l'autre. Donc, quand tu me vois aujourd'hui, je vais dépenser mon 4 millions. Anticipez vos baies. Vous ne m'avez pas encore donné les cœurs. Vous ne m'avez pas encore donné. B est très intelligent. Écoutez-moi bien. B est très intelligent. Tout ce que tu demandes à B là depuis, il peut faire. S'il veut. Mais comme il faut qu'il touche un peu ton cœur, il t'adoucit un peu que. Tu rentres, qu'il est rentré tôt. Il t'a gardé quelque chose. Il passe devant le tour à chaque soir quand il rentre à la maison. Hein. Mais comme il cherche quelque chose. Tu vas Wanda. Il te demande, tu as besoin de quelque chose. Tu veux qu'il te garde quelque chose au supermarché.
Il fait 3 jours, il ne boit pas le whisky. B ne boit pas. B ne te parle plus de la mère et ses autres enfants-là. B prend son téléphone, il dépose devant toi. Il déverrouille. B cherche quelque chose. Quelque part, ça me plaît. J'ai le goût de ça. Pardon, ne sais pas comme ça. Il faut qu'elle soit comédienne. Un jour, 2 jours, 3 jours. Après, B rentre un jour comme ça, là, il paraît bizarre. Je dis, B, c'est quoi? Oh. Ouais, B, c'est quoi? Oh. Ouais, dis-moi alors, c'est quoi? Parti faire son bain, hein. Le bain que tu le forces souvent pour faire depuis 3 jours, lui-même il fait ça seul. Lui-même il fait. Te réveiller tôt pour aller prier là. Il se réveille même à 4h30 pour te réveiller. Tu dis, ben c'est quoi? Vraiment, j'ai une situation là. Je sais même pas ce qu'il fait. Tu dis ok. Voilà. Voilà. J'ai des problèmes d'argent. Larissa, tu as baissé ça une fois. Que bien. J'ai des problèmes. Tu essayes même. Tu essayes même de tourner un peu que ouais, la nourriture était bonne. Non, Ben ne veut même pas. Ben ne veut même pas. Ouais, qu'est-ce que c'est de tracasse comme ça, non, chérie? Voilà, ils disent qu'il faut, 15 000 euros. Et B connaît que tu as, dans la banque, que tu as 15 500 euros. Et c'est que les frais de transfert, ce sera 300 euros. Donc B va te laisser avec 200 euros. Tu sais, voilà la fin d'année, voilà les fêtes. Tu sais. Voilà mes enfants, tu sais que la mère de mes enfants, ça fait longtemps qu'elle les a. Faut que je fasse un geste pour les enfants. Oui, mais je sais que je voulais que tu t'occupes des enfants. Mais vraiment, tu demandes à Bec, tu as combien? On va pas encore payer. J'attends encore, tu vois, tu connais mon patron, non? Tu connais mon patron, non? Non, pas copier. Et quand B dit comme ça, là, le téléphone sonne, il peut y faire. C'est la mère encore. Voilà, je t'ai dit non. Il me stresse depuis le matin. B ne dit rien. Oh, tu vois, gars. Tu regardes bébé, regarde le plafond. Et là, le corbeau fait quack, 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 quack. Le grillon fait cric, 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 cric. Personne ne parle. Tu dis que ouais, j'avais l'argent là, je voulais finalement acheter mon terrain depuis 15 ans question en Europe. Ouais. Ouais. Le grillon est tout là, ça fait quack, 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 quack. Ben ne dit rien. Ah, puis fait. Tu le regardes bien, il ne bouge pas. Hein? Voici ce que vous faites d'habitude. Je vais vous dire ce que vous allez commencer à faire. Voici ce que vous faites souvent. Voilà ce que vous devez commencer à faire.
Vous là, quand vous êtes en Europe, vous avez construit les meubles là pour donner à vos gars pour qu'ils s'occupent de ça. Et maintenant, ils vous ont mis à la porte. Bébé, va d'abord en Europe. Tu sais que tu vas bosser. Tu bosses, tu envoies. Chaque mois, tu envoies 1 million. 1 million. 1 million. Tu fais ça pendant 5 ans. Ils montent l'immeuble. Ils commencent à jumboum. Je suis là pour vous libérer. Vous allez devenir sage. La sagesse va entrer dans vous que rien. Vous allez dire que hein. Voilà ce que tu dis là. Vous êtes dans le lit, non? Le grillon a tellement chanté, le corbeau a tellement fait quoi, 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 que finalement, tu dis bon, 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 je vais voir, je vais voir. Bon, tu sais quoi? Tu prends le téléphone. Quand tu vas à la bébé, et bien connaît tes engagements, il sait que comme tu es là, dans quelques semaines, on t'attend quelque part, peut-être même 10 000 euros. Ben connaît. Tu veux porter 15 300 euros pour donner à B. Tu dis que le cœur n'a pas l'os, non. Attends, il était transfert. Arrêtez. Tu dis que okay, je vais voir ce qu'il veut faire. Ok, je peux, on peut t'envoyer ça au pays de comme ça là. De voilà, non. Le lendemain à 16h, ton compte bancaire affiche 200 euros. Tu sais ce qui s'est passé, ma chérie? Le dévoreur est passé. Le dévoreur est passé. Oh, tu as. Écoutez-moi bien. Et quand ça passe, ça te vide, ça te fait mal. Je n'avais pas envie de donner l'argent si pour ça. Deux jours plus tard, B rentre tard. Il se couche à minuit, 1h. Quand tu parles de bang, il dit oh. Non. Bonjour la reine Ernesta. Jocelyn, quand tu fais les bordereaux, ne te précipite pas pour emballer les paquets. Fais d'abord les bordereaux. Ils déposent chacun sur chacun. Voilà. Voilà comment vous devez réfléchir. Cette situation qui demande tout mon argent. Bonjour la reine Janice. Si je meurs aujourd'hui, est-ce que la situation va continuer? Est-ce que, donc, si je n'étais pas là, les 15 000 euros que B voulait pour faire, pour soigner sa mère ou bien pour aller sa voiture là, est-ce que ça n'allait pas avancer? La réponse, c'est que si tu n'étais pas là, B allait avancer. Les gens qui sont au pays m'appellent, ils me stressent que j'envoie l'argent, envoie l'argent, envoie l'argent, sinon ta mère va mourir. Oh, je veux construire ma maison, envoie, envoie, envoie. Si je retarde la fête de 1 mois, ou bien si je n'étais pas vivante, c'était pas mieux, vous vous occupez de vos grands-mères. Alors que vos oncles et tantes sont là, ils ne font rien pour leur mère.
C'est toi la petite fille qu'on vient voir. Si tu n'étais pas là, la fille allait faire comment pleurer. Ils allaient vivre, non? Ils allaient continuer, non? J'ai adopté ça en 2017. Quelqu'un me contacte. Il me faut 250 000. Maman a fait la césarienne à ma femme. J'ai eu l'illumination. J'ai dit, tu sais quoi? Là où je suis là présentement, c'est chaud. Je ne peux pas t'envoyer l'argent. Je n'ai pas besoin de te dire que je n'ai pas l'argent. Mais je te dis juste que je ne peux pas t'envoyer l'argent. Je n'ai pas menti. Point. Bye bye. Dans un mois, il m'avait dit que sa situation, il a conduit sa vie, il l'avait trouvé finalement. Quand le dévoré marche, il cherche. C'est celui qui est faible d'esprit. C'est celui qui est faible. Que dès qu'on parle, tu veux dégainer l'argent. Dès qu'on parle, tu... Ma witty, calme-toi, ma chérie. Si on te parlait, tu n'avais pas l'argent, le temps là, tu faisais quoi? Oh, il faut ça, on a besoin de ça. Oh, il faut ça. Si tu n'avais pas l'argent, tu faisais comment? Je dois vous montrer tout ça parce que quand vous allez vous laver, bonjour, merci Ambiana. Quand vous allez vous laver, l'argent va commencer à venir. Mais quand l'argent va commencer à venir, c'est comme si tous les décepticons de votre entourage vont savoir que vous avez l'argent. Tu t'as fait, non? On avait dit qu'on devait faire l'extension derrière là. Ma maison de derrière là, oui. Toi, tu n'as pas encore acheté le terrain. Tu as en train de faire la cuisine de derrière dans la maison de quelqu'un. Ou la douche de dehors. Ou la douche de dedans, je ne sais même pas. C'est la fin d'année, non? Mes enfants ont passé. On va le bulletin. Si les gens là te demandaient et que tu n'avais pas l'argent, tu faisais quoi? Tu ne fais rien, non? Je vous dis, moi, ça manque. Écoutez-moi, oh. Il faut, oh. Vous serez testé, ne vous inquiétez pas. Tout ce qu'elle vous dit là. Oh, il faut que tu envoies ça là. Mais la mère a besoin de telle chose. Oh, la grand-mère a besoin de ça. C'est votre mère, c'est ma grand-mère. Pourquoi vous vous sautez, vous venez me voir? Hein? Et ce sont les gens que c'est toi, tu as le problème. Voilà Noël, non? Voyez combien de personnes vont vous envoyer le cadeau de Noël. Voyez, vous me dites. Bonjour la reine Gassam. Voyez combien m'ont dit que. Reine Jocelyne. Oh, petite, tiens ma petite soeur, tiens ma. Kino Adélaïde. Est-ce que tu peux répéter ton commentaire, s'il te plaît? Vous, ça c'est un truc que j'ai traversé. Et avant de comprendre l'âge, donc l'argent entre vous, c'est comme si on a envoyé le coup de fil, comme si on a téléphoné à tous les Decepticons. Qu'ils ont les problèmes, c'est que toi qu'on appelle. Yei, Naweti. Naweti. Maintenant, vous allez apprendre que l'argent là, tu mets ça là comme ça là. Tu touches, ça te plaît. Tu mets dans ton compte bancaire, tu checkes ta balance, ça. Tu vas ton Orange Money. Vous connaissez Orange Money, non?
Tu regardes ta balance orange, mon est comme ça là. Ah, pour moi, va. Tu comptes les zéros. Tu dis 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez un peu, non? Apprenez. Apprenez. Ah, je suis désolée, elle est partie. Moi, maman est très rapide sur la gâchette. Quand vous êtes sur ma page, elle vous fait que moi, elle vous fait seulement i. Je ne veux même pas. Parce qu'elle ne va même pas réfléchir sur vous. Donc, ça, elle est partie. Si elle était pour moi, elle va revenir. Vous voyez, je vous dis que ça, c'est la première page où je ne vous supplie pas pour rester. J'ai tellement de déceptions qui essaient de m'atteindre inbox que quand ça fait un peu que je ne veux même pas savoir, je ne veux même pas voir la qualité. Personne ne peut être locataire dans ma tête parce que vous ne payez pas le loyer. Voilà. Donc, apprenez. Qui que ce soit, observez bien dans les 2 semaines qui arrivent. Voilà Noël, non. Voyez combien de personnes vont venir vers vous pour vous demander l'argent. Voyez. Il y a une dame qui m'a fait le témoignage ce matin. Elle n'a pas encore reçu mes produits. Elle se lave juste au sel. Elle a fait 3 jours de jeûne. Je devais la consulter depuis au moins 7 jours. Chaque fois. Ce matin, elle a pris l'huile Saint-Michel, elle l'a mis dans l'eau. En se lavant, elle a dit que je brise n'importe quoi. Je brise n'importe quelle chaîne. Sur ma vie. Je suis restée dans ça le matin. Pap, c'est elle que j'ai pris. Maman, elle témoigne de ça. Elle a d'abord eu une relation avec son ex-mari là. Attachée jusqu'à. Tu vois le gens que vous appelez la police à la maison tous les mois. Tu as tellement porté plainte quand on te connaît au commissariat. Ton esprit sait que tu dois sortir de la relation là, mais ton corps est encore là. La reine Gassam, vraiment, je remercie le Seigneur pour ton témoignage. Donc elle dit qu'elle a tellement. Donc là, quand elle va porter plainte à la police, on dit que pardon madame, on refuse de prendre sa peine. Donc vous voyez le degré. Chaque jour que je pars, je viens. Je pars, je viens. Je pars. Elle a commencé à se laver le sel simplement, la laver un peu. Après, elle a dit qu'elle va faire le jeûne. Elle a jeûné 3 jours. Au bout du 2e jour, son mari lui-même venait faire les problèmes. Quand ils ont commencé à faire les problèmes comme ça là, lui-même il a appelé la police. Comme il n'avait jamais appelé la police, c'était tout elle qui appelait. Ça lui a donné seulement l'excuse. Elle m'a apporté ces choses. Elle s'est séparée de l'homme facilement. Et je n'ai même pas commencé à travailler avec elle. Elle m'a écouté, elle a fait les trucs. Elle écoute seulement mes vidéos. Elle m'a dit qu'en une semaine, j'avais les rides sur la tête. Elle avait les rides. Ici, on restait noir. Seulement à écouter, se laver avec le sel. Elle me dit, j'étais dans le rouge dans mon compte. Mon compte bancaire était rouge. J'étais écouté, tu dis qu'on doit avoir l'argent. J'étais écouté, j'étais écouté. Le jour où je faisais mon lavage, dans la nuit, il me revient à 2 heures comme ça, il dit que non. Elle check son compte. Elle était passée du rouge au vert. Qu'un agent de chez ne sait quoi qu'on l'avait, on s'est rappelé qu'on lui devait l'argent, quoi, là. On a viré dans le compte. Après, il me dit que hier, là, sa mère l'appelle. Sa mère dit, ok, on sait que tu viens de déménager, tu as quitté de la maison de ton mari. Est-ce qu'il y a quelqu'un, montre-nous comment on peut faire pour t'envoyer l'argent. Elle dit qu'elle n'en revenait pas, qu'elle a crié que ma mère, donc, je lui ai dit que prépare-toi. Quand vous m'écoutez souvent 3 heures de temps par jour là, vous êtes en train de, donc votre tête est en train de changer, votre image intérieure est en train de changer. C'est pour ça que quand quelqu'un me contacte, je demande, est-ce que tu m'as écouté? Si tu ne m'as pas écouté, ne paye pas la consultation, je t'en prie. Bah, je vais venir dire que tu vois quoi sur moi, tu vois quoi sur mon front, tu vois quoi ici. Je ne veux pas ça, je ne veux pas. Je peux faire ça, mais je ne le fais pas. Elle dit que sa mère dit qu'on va envoyer l'argent. Elle n'a pas encore envoyé les détails pour qu'on lui envoie l'argent. Mais elle dit que depuis combien d'années qu'elle est en Europe, je n'ai jamais reçu l'argent de quelqu'un, mamie. C'est seulement moi là que je travaille, force. Je lui ai dit, ma chérie, prépare-toi.
prépare-toi. Tu vas rester comme ça, on va te forcer que prends l'argent d'abord. Non, ouais, prends d'abord. La marchandise arrive dans 2 semaines, mais prends d'abord. Que prends, je mets où? Tu pars te coucher, tu te réveilles le matin, tu as au moins 5 virements dans ton compte. De moins de 1000, 2000 euros chacun. Journalièrement, s'il vous plaît. Ingrid de Tatiana, je ne réponds pas moi à tout le monde sur WhatsApp. Écris seulement. Si tu vas venir ici, là, mon direct me dit que tu as écrit, je n'ai pas répondu. Tu vois seulement qu'écrit ici, là, elle va te dire que je. Écris, voilà WhatsApp là-bas, écrit. Je vous dis, lavez-vous, jeûnez avant qu'on se parle. Il y a une dame qui est venue ici, là, hier. Elle m'a vu sur quoi? Elle m'a vu, je ne sais pas où elle m'a vu. Ou YouTube peut-être. Elle écoute la moitié d'une vidéo. Elle dit que boup, elle vient pour faire la consultation. Si on a une consultation, là, j'ai pris les produits. Elle dit que ne te consulte pas, mamie. J'ai pris les produits et lui ai donné que va te laver d'abord. Sors non. Dans 3 semaines, tu seras réveillé. Si tu as effectivement fait ce qui te demandait. Écoute ce qu'elle te dit. Lave-toi. Détermine ce que tu veux. Fais ta prière. Quand tu vas revenir, je vais te consulter. Maintenant, tu vas voir. Merci. On vous a beaucoup bafoué. On vous a beaucoup. On te tape ici là. Tu vois. Tu fais faillite même 6 fois en 1 an. Tu te retrouves à moins de 500 euros dans ton compte. Je vous libère de l'esprit d'endettement au nom puissant de Jésus-Christ. Et il y en a parmi vous, m'écoutez, vous n'avez jamais fait une offrande. Comme on va envoyer 25 000 de consultation, là, vous pensez, gna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 gn
Vous devez être restauré. Willy Sol, je pense que j'ai vu ton message et je vais te bloquer. Tu m'envoies le même message, je te bloque. Direct. Tu as compris, non? J'ai une représentante en Belgique maintenant. Belgique, USA aussi. Il y a Paris déjà. Je suis en train de chercher quelqu'un pour Toulouse. Quand vous venez pour dire que vous venez faire représentant, ne venez pas. Vous allez me payer. Parce que je vais d'abord vous former sur deux, trois choses. Beaucoup de choses, même pas deux, trois choses. Je vais vous former. Donc, ne croyez pas que vous allez venir comme ça, vous allez vous pointer. Je vais pas. Non. Je ne veux pas traiter avec les pauvres d'abord. Je ne veux pas traiter avec les pauvres. Pauvreté d'abord, la première pauvreté, c'est ici. Tu peux me parler que tu es en colocation dans une chambre avec quelqu'un. Mais tu connais là où tu pars. Et toi, tu peux là, tu as une grosse maison de 9 chambres. Tu es pauvre dans ta tête. Tu es incrédule en fait. Tu n'aimes pas croire. Tu n'as pas la foi. Je veux que les gens qui touchent mes produits pour donner aux gens que tu aies la foi. Tu as la foi. Donc quand tu touches comme ça, là, tu dis que non, ça va marcher. Oh, ying. Vous comprenez, non? Le numéro orange est épinglé. Si vous ne voyez pas, tant mieux. Vous avez souvent raison, vous n'avez pu passer une journée sans. Waouh, Laurent Bonalair. Depuis 3h30. C'est super. Ah ben c'est super. Bienvenue. Être de lumière. On s'est attiré. Donc tu m'as attiré, je t'ai attiré. Bon, je vais donner le numéro de Paris. Je vais le dicter. Hein. Il y a États-Unis, Tchad, on va voir comment faire. Long bis, j'aime l'argent. Hey, tu ne savais pas. Je vais te laisser pour que tu écoutes ceci d'abord. Si tu n'aimes pas quelque chose, ça va te fuir. Tu as compris, non? Tu n'aimes pas quelque chose, ça va te fuir. Vous comprenez, non? Hey, quand on me dit que j'aime l'argent, c'est un compliment. C'est un compliment. Enfin, l'argent, je t'aime finalement. Vous savez combien d'années j'ai rejeté l'argent dans ma vie? Hey! On te dit, Jocelyne, je te donne. Non, ça va, ne t'inquiète pas, ça va aller. Tu sois avant un gars, il va te donner l'argent. Oh non, t'inquiète pas, chérie, ça va aller. Tu souffres. Tu vas quelque part pour le boulot. On te paie 5 pounds de l'heure. Tu vois d'autres personnes, on les paie 15 pounds de l'heure. Tu ne rêves pas qu'un jour, tu peux upgrade jusqu'à te voir 15 pounds de l'heure. C'est pour ça que 20 ans plus tard, on te paie 7 pounds de l'heure. C'est le meilleur compliment que quelqu'un me fait. Donc, écoutez, si vous voulez m'insulter, cherchez autre chose. Cherchez autre chose. Ouais, vous dis-moi. Ouais, Seigneur. Il y a ça et puis il y a égoïste. Quand on me dit que je suis égoïste, je dis que. Waouh! La maestro, c'est Bouquet Pays. Tu n'aimes pas quelqu'un, c'est comme ça quand tu, peu importe,
La personne va sentir que, je ne sais pas pourquoi, mais quand elle vient chez elle, elle n'est pas contente. Combien de fois vous avez rejeté l'argent dans vos vies? Non, voyez-vous même. Et quand tu vois quelqu'un qui a une grosse voiture, ça t'énerve. Tu vois un Camerounais comme toi en Belgique, il conduit la dernière Mercedes. Toi, tu prends le métro. Ça t'énerve. Ça t'énerve. Assois-toi à côté de la personne, là, tu vas voir comment il aime son argent. En fait, il parle de l'argent comme si c'était une royauté. Oui, on va prendre l'argent. Oui. Oui. Donc, j'aime l'argent. Oh, oui. En 2 jours, c'est la deuxième fois qu'on me dit ça. Hier, quelqu'un m'a dit ça. La personne dit, elle m'insultait, bien sûr. Genre, ouais, t'aimes trop l'argent. L'argent, j'ai dit, oh, wow. Thank you. Oh, thank you. Oh, thank you. Oh, thank you. Oh, thank you so much. Oh. Si vous saviez comment, je me rappelle quand j'écoutais les trucs de coaching, les vidéos de motivation, peut-être il y a cela 6-7 ans, je souffrais. Et dans les vidéos, la personne dit que tu n'aimes pas l'argent. Je dis, mais j'aime l'argent, je cherche l'argent. À ton avis, je saute aussi chaque jour pour aller travailler. Pourquoi? J'aime l'argent. Mais dans la vidéo, la personne dit que non, tu n'aimes pas l'argent. Je dis, mince. J'ai dû m'éduquer, me rééduquer pour aimer l'argent. J'ai dû me rééduquer. Que l'argent m'aime. L'argent vient en moi. Il y a l'argent partout chez moi. Et je me rappelle un jour, je suis allée chez une amie. Une amie, elle est française. Et elle venait de commencer vraiment la spiritualité. C'est là, vraiment, bam, bam. J'arrive chez elle, je vois l'argent sur la table. Elle avait les billets violets. Elle vivait vers le rond-point là. J'arrive au salon, je vois l'argent sur la table, 10 000. Dans la chambre d'invité, 10 000 sur la table. Vers la cuisine, 10 000. Et je dis, elle me dit, tu sais quoi, il y a un nouveau truc que je viens de commencer, j'ai regardé en ligne et tout ça. Ouais, je mets de l'argent partout chez moi. Je dis, that's good, that's good. Je vois pourquoi je t'ai attiré d'ailleurs. Ouais, that's good. Beaucoup d'argent. Habituez-vous. Il y a les plafonds. Je me rappelle le premier jour où mon compte Orange Money est MTN Money. Et c'est fou parce que ça s'est passé dans la même période. C'est pour ça que Cameroun Bernard, tu n'as pas encore vu. C'est pour ça qu'elle comprend que c'est la conscience d'argent. Avant, je n'avais jamais en une fois comme ça là, 1 million dans un de mes comptes. À un moment, c'est arrivé, mon compte bancaire, 1 million. Orange Money, 1 million. MTN Money, 1 million. Donc, ça c'est donc, je me rappelle la nuit où je me suis réveillée à 1 h. Et j'avais passé ce plafond. Genre, je m'habitue que ma constance, ma conscience de comment dire, votre solde est de. Chaque fois donc, je lance ça. Je check le premier téléphone. 900 000, 1 million. Deuxième téléphone. Compte bancaire. Donc, et c'est l'argent de roulement, c'est pas l'argent de, tu vois, ce n'est pas le saving account là. Quand vous parlez mes choses, vous croyez que c'est blague, non? Voilà encore l'argent qui vient d'entrer dans mon compte, voilà l'argent. Voilà l'argent. La reine Flore, merci pour ton don, ton offrande. Oui. Il me reste 3250 francs pour atteindre un certain chiffre qui sera très rond. Dans mon compte Orange Money, avec beaucoup de zéros. Ah, l'argent. L'argent te donne des facilités. Avant, tu pensais, je veux aller à tel endroit. Non, je ne peux pas. Il faut que je bosse. Il faut que j'économise 1 an. Oh, tu te lèves. J'ai envie de partir à Dubaï.
Allô, bonjour madame, oui. Je voudrais un ticket pour Dubaï, s'il vous plaît. D'accord, voyager demain soir. D'accord, merci. Ok, au revoir. Demain, tu es dans l'avion. Tu arrives, tu pars à l'hôtel. Tu ne veux pas savoir le prix de la chambre. Tu ne veux pas regarder pour dire que. Je veux la chambre single. Vous n'avez pas moins cher que single, s'il vous plaît? Vous n'avez pas un canapé-lit quelque part là? Non, non, tu arrives. Oui, mettez sur ma carte, s'il vous plaît. Oui, vous avez là l'état de ma carte. Oui, pour la facture. Tu te lèves le matin, tu ne dois pas courir pour aller traverser la route, chercher la boutique. Tu pars, tu descends dans le lobby de l'hôtel, tu manges. Petit déjeuner au lit, s'il vous plaît. Oui, ça fera 50 euros pour le déjeuner. Non, pas de souci. Allez, faites monter dans ma chambre, s'il vous plaît. Merci. L'argent te libère l'esprit. Ça te libère. Vous avez les rides sur votre front. Regardez, vous avez les rides. Parce que vous avez des soucis d'argent. Je suis pas en train, je veux parler pour que ça vous conscientise. Je suis pas en train, je vous insulte pas. Je sais ce que j'ai traversé avec l'argent. Hier, une femme est venue ici pour son lavage. Je finis son lavage tout. Quand on a fait les produits, elle est au téléphone avec quelqu'un. Elle dit ah, où il va donner oh? Je dis que quoi? Elle me dit, maman, je n'ai jamais demandé l'argent à quelqu'un qui m'a donné. Voilà ça qu'il a me demander, puisqu'il me demande les détails bancaires, puisqu'il me demande que, ah, maman, c'est la première fois. J'ai ri. J'ai dit que ouais. Donc elle parle de mes choses, vous vous doutez comme ça. Ma chérie, ça, ce n'est que le début. Tu n'es même pas encore parti, on est en train de vouloir t'envoyer l'argent. La première manifestation, ceux qui travaillent, vous savez, peut-être vous m'écoutez ce mot, peut-être faire ce qu'elle dit. Vous n'avez pas encore envoyé votre argent. La couleur, Laurent Bonnallais, tu adores l'argent. Hein. C'est bien comme tu comprends mon accent, monsieur Laurent. Vous allez voir que la couleur de votre compte bancaire va changer. Il n'y aura plus de rouge. Vous allez connaître que le vert du dollar, le vert, c'est le feu vert. Tu te libères. Oui, il me faut une voiture. Avant, pour acheter la voiture, il te fallait réfléchir même 6 mois. Ma calcul, ma plan. Ok, je vais libérer ici, je vais prendre là-bas, je vais aller voir le banquier, négocier, pour voir s'il peut me donner un petit prêt de ceci, pour que ceci. Tu restes comme ça. Il me faut une informatique là. Hein. 3 semaines plus tard. 3 semaines plus tard. Chaise en cuir. Hey! Aïe! Tu mets la clim dans ta voiture comme ça là. Tu mets le son. Quand les baffes résonnent que dans ton dos, que doum, doum, comme si on te tapait le dos, que. Je vous ai dit que c'est bien de pleurer l'homme dans ta belle voiture. Il est parti, il m'a fait du mal. Tu mets un peu la clip là. Allez, alors fais du shopping. Oh Seigneur. Je suis à Douala, je ne suis pas à Yaoundé. Vous allez banaliser les montants dans votre tête. On va te dire 15 millions, 18 millions, 50 000 euros. Ah, bébé, ouais. En 3 mois, j'ai eu les 20, 25, 40 000 euros. Oui, j'ai pris ça, j'ai envoyé là-bas. Ouais. 300 000 euros. Oui. Chaque jour, tu regardes ton compte. 4 000 euros entrés. 5 000 euros entrés. Chaque jour. Je vous prépare parce que 2022, c'est là. Vous allez voir les dimensions d'argent que vous allez rester comme ça. Vous allez dire que. I cannot understand. Like.
Donc, je vous ai parlé du séminaire que je vais faire. C'est une journée. On passera 5 heures de temps avec une pause peut-être de 30 minutes. On va planifier 2022. C'est 100 000 francs CFA, 150 euros pour cet atelier. Je ne veux pas beaucoup de personnes. Les incrédules, les gens qui ne croient pas, les gens qui sont pauvres dans leur tête, vous ne pourrez pas venir. C'est pour ça que je mets le prix aussi élevé. C'est pas élevé, hein. C'est rien du tout. C'est le petit agent qu'on te donne une transaction bancaire. Un client, il vient en 30 minutes, 5 minutes, là, il te donne ça. Non, c'est rien du tout, en fait. Il faut qu'on élève le niveau. Il faut que... Tu ne peux arriver que là où tu as vu. Si tu n'as pas vu, oublie. Oublie. J'ai pris cette analogie hier dans un de mes ateliers. La vision est importante. Pourquoi? Supposons un jour tu es en train d'aller quelque part. On te dit, Jocelyne, tu vas voyager. Tu dis, ok. Ok. Ceux qui sont en Europe, on fera un zoom. Écoutez, 90% de mes clients sont en Europe. États-Unis, Canada, ceci, cela. C'est maintenant que les Camerounais me connaissent. Et ça fait 2 ans que je suis au Cameroun. Moi, je n'étais pas avec les Camerounais. Et moi quelque part comme ça, je ne mets pas la plaque de O-ring. Je paye mes taxes, mais je ne mets pas la plaque. Il reste comme ça là. Internet. J'arrive à mettre d'abord mon internet. Je n'ai pas mis la plaque à Douala. Vous devez venir sur rendez-vous. Je ne veux pas que vous venez m'appeler. Comme je vous parle, il y a quelqu'un là-bas dans la salle d'attente qui est en train d'attendre. Et en ligne, je dois encore convaincre encore peut-être 3-4 personnes qui sont alignées pour ce matin. Donc si vous ne venez pas, je n'ai pas mis de plaque et c'est exprès. Donc à partir de janvier, vous pourrez quitter de l'Europe. Vous venez, je vous reçois dans mon centre. J'ai un endroit que je suis en train d'aménager. C'est déjà même fini, on a fini les travaux là. Donc vous pourrez venir. Vous ne venez pas pour aller marcher. Allez, je vais voir tata Charlotte. Tonton, tu viens faire ton travail spirituel, tu te concentres. Tu tapes 3-4 jours, tu reprends ton avion, tu pars. Vous me comprenez bien? C'est ça que donc c'est ça que j'ouvre en janvier, c'est là. Tu te consacres. Il y en a parmi vous, vous devez écrire des livres. Je ne sais pas pourquoi tu n'as pas écrit. Si c'est le livre que tu veux écrire, tu passes 5 jours. Tu te concentres. L'onction que vous allez avoir quand vous allez venir chez moi là. Tu finis maintenant, tu portes ton. Tu pars dans ton avion, tu rentres. Je veux voir comment tu vas arriver là-bas, tes revenus ne vont pas devenir multipliés par 10 dans les 3 premiers mois. Vous manquez de puissance. Vous manquez de puissance. Vous manquez de concentration et de vision. On te dit, Jocelyne, tu vas voyager. Tu dis, ok. Première option. Tu as ta carte d'identité. On te dit, va à Bafoussam ou à Yaoundé. Deuxième option. La personne te dit, voilà ce qui te fait voir. Voilà la vision qu'il te donne. Il te dit, je t'ai donné le visa des États-Unis, je t'ai donné le visa du Canada, je t'ai donné le visa de la Turquie, je t'ai donné le visa de la France, je t'ai donné le billet d'avion. Ok, merci pour l'offrande qui vient d'arriver encore. À Kenfak, je ne vais pas dire tout ton nom, mais merci pour le don. Que ça te revienne 10 fois plus. Donc si tu m'as donné 500, tu vas recevoir 5000. Merci. Tu as donné 50 000, tu reçois. Voilà. Et c'est différent quand elle te dit maintenant que Jocelyne voyage. Parce qu'elle va te demander de voyager pour le deuxième cas. Tu ne vas plus dire que je vais aller à Bafoussam ou je vais aller à... Non, 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 non. Tes options, c'est quoi? Bahamas, Washington, Miami. La deuxième personne va aller plus loin que la première personne. À cause de quoi? La vision. La vision. Vous êtes là où vous êtes parce que votre vision est fermée. Vous ne savez pas qui vous êtes d'abord.
ton business, j'ai un petit, mon business, j'ai un petit business modeste, tu sais. C'est tout petit comme ça. Quoi? J'ai seulement une petite voiture. Quoi? What are you talking about? Le mot petit ne doit même pas faire partie de vos mots. Moi, je parle seulement ma peau. Bon, vous avez mes détails, hein. Pour ceux qui veulent faire l'atelier, le séminaire là. Séminaire pour la vision 2022. Donnez-vous la permission de prospérer, s'il vous plaît. Laissez votre argent venir vers vous, s'il vous plaît. Dieu a dit à Abraham que va te mettre là-bas. Regarde, tout ce que tu vois, je vais te donner. Mince. C'est comme ça, donnant le chèque, on dit, mets le nombre de zéros que tu veux. Tous les zéros que tu vas mettre, on va te donner. Non, je vais seulement mettre 3 zéros, tu vois. Hé, je ne suis pas sûre que... Maman, arrêtez. Tiens. L'argent appelle l'argent. Le problème de beaucoup d'entre vous aussi, c'est que vous ne connaissez pas investir. Vous n'aimez pas sortir l'argent, mais vous voulez l'argent. Un business qui a un fonds de commerce de 200 millions et un qui a un fonds de commerce de 200 000. Le revenu journalier est différent dans les deux business. Vous m'entendez? Apprenez à sortir l'argent de votre poche pour faire votre chose. On veut que de la monnaie. Que de la monnaie. On veut du liquide, du liquide. Voilà les gens de chansons que j'aime. Voilà les gens de chansons que j'aime, mon frère. On veut du liquide, du liquide. Et aussi parmi vos amis, je vais dire ça en dernier. Parmi vos amis, il y a les gens que vous devez beaucoup éviter de traîner avec eux. Vous avez besoin qu'il va toujours dire que non, ce n'est pas l'argent qui compte. Tu sais, ce n'est pas. Il va venir, il fait 5 heures de temps, il va vouloir parler avec toi pendant 5 heures. Et tu n'avances pas pendant 5 heures de temps. 5 heures. C'est too much. Allez, oui, qu'est-ce que je peux faire? Oui, on fait quoi? Oui, ok. Si on doit se voir, il y a mon jour off qui est dimanche. D'accord? On peut se voir dimanche? Super, bye. Ah, tu sais, je n'ai rien à faire aujourd'hui. Je passais dans le coin. Je me suis dit, il faut que je vienne. Et comment va tonton Jérôme là? Oui. Ah, est-ce qu'il était même parti là-bas? Ah! Mais c'est quoi, vous papotez pourquoi? À moins que tu ne bavardes, ça te donne l'argent. Vous voyez comme je bavarde là, non? Ça là, ça va me donner l'argent. C'est pour ça qu'il bavarde. Vous comprenez maintenant? Soyez capitaliste. Et s'il y en a encore un dans ma page qui ne l'est pas, s'il vous plaît, si ça vous dérange, je vous en prie. Il y a un bouton là qui peut faire. Tu appuies comme ça fait que des likes. Non. Tu te désabonnes. Voilà. Tu te désabonnes. Ok. À moins que tu sois un Decepticon. Tu vas te dire, ouais, je vais l'observer. Ouais, je veux pas qu'elle réussisse. Bon, là, tu perds ton temps. Là, tu perds vraiment ton temps. Tu as frappé à la mauvaise porte. Alright. On veut du liquide, du liquide. On veut du liquide, du liquide. Bon. J'ai donné les infos de la journée. Formation, mission de vie. Je donnerai encore 2 jours pour prendre des gens. Si vous ne vous êtes pas inscrit d'ici lundi, on a totalement fermé. Mission de vie. Donc, comment découvrir sa mission de vie? Mon but, c'est de vous faire découvrir vos missions de vie. Parce qu'on n'en a pas qu'une seule.
et de pouvoir les déployer. La mission de vie, on a vu ça dans le cours d'hier. La mission de vie donne l'argent. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas le français camerounais, la mission de vie donne l'argent. Ce n'est pas ton argent qui va faire ta mission de vie, mais la mission de vie te donne l'argent. Vous comprenez, non? Voilà. Donc, si vous êtes intéressé par cela, la formation coûte 100 000 francs. Il y a une autre formation spirituelle que j'ai retardée de quelques jours qui coûte 500 000 francs. Cette formation-là, c'est pour ceux qui ont le don. Vous savez que vous êtes choisis. Et tous ceux qui sont retrouvés dans cette formation, finalement, on a découvert que c'était des meufs horribles. Vous voyez un peu. Donc, ils sont retrouvés finalement en train de guérir spirituellement les gens. Vous voyez un peu, tout comme ça. Donc, c'est pour ceux que, voilà, je sais que je ne sais pas comment faire. Je suis perdue. Ouais. Ce qu'on ne vous a pas montré depuis des années, vous étiez embrouillé là. Je vous montre ça. Avec la grâce de Dieu et l'assistance des ancêtres, bien sûr. Je ne fais rien par ma force. Voilà. Bonjour la reine Chewo. Chewon. Tu es en retard jusqu'à. C'est vrai que je n'avais pas annoncé mon direct. Je l'ai direct connecté. Donc quand il me connecte, l'esprit me dit va faire maintenant, je ne vais pas faire maintenant. Ok? Si vous êtes nouveau sur la page, abonnez-vous. Si ce que je dis vous intéresse pas, désabonnez-vous. Les représentants là, j'ai un groupe pour les gens qui me représentent dans les pays. Donc si vous n'êtes pas dans le groupe, écrivez-moi pour que je vous mette dans le groupe. Je vous dis qu'il y a de l'argent et des frais de participation. Donc vous ne me représentez pas comme ça. Ceux qui viennent d'arriver, on est en train de partir. Bon, je vous souhaite de passer une très, 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 très bonne journée dans la paix du Christ. Ok. Palimou, si tu me suis depuis des mois et c'est maintenant que tu cherches à me contacter, ça veut dire que je ne veux même pas te voir. T'as compris? Ça veut dire que tu es lukewarm, tu es tiède. Vous m'écoutez depuis des mois. Je te suis depuis de... Une femme m'a dit ce matin qu'elle me suit depuis 2017. Et elle n'a même pas finalement parlé. J'ai dit non, non, non. Vous écoutez, vous ne faisiez pas. Vous regardez sans voir. Par contre, j'ai des gens qui me suivent depuis 2 semaines là, que leur puissance est en train de... Like a rocket. J'active votre puissance. J'active vos dons. J'active votre ADN. Bon, le numéro de Paris, si tu insistes, madame. Ok. Bon, numéro de Paris. (0750 02 75 90) 0750 02 75 90. Donc, il y a des produits qui arriveront à Paris lundi. Si vous avez une commande spéciale qui doit partir du pays pour arriver à Paris, vous pouvez me communiquer. Je sais qu'il y a quelqu'un qui a demandé la canne. Quelqu'un qui a demandé une canne, là. La canne en Lyon, là. Donc, si vous avez une commande spéciale, c'est aujourd'hui que vous devez passer ça parce que j'envoie les produits tout à l'heure. Palimou, Palimatou, on doit se décider. Tu hésites d'abord pourquoi? Et te dis-moi, toi, Palimatou, là, si tu viens, si tu vas venir, ça, je vais bien te gronder. Et te dis-moi, je vais bien te gronder avant de te dire parti. Je ne rejette pas les gens qui viennent à moi, mais je te gronde. Une mère ne rejette pas ses enfants. Une mère ne rejette pas ses enfants. Mais une mère peut fouetter ses enfants. Je fouette bien même. J'ai des bâtons ici là, je fouette. Voilà le numéro de Paris. Écoutez, si vous venez avec vos diables dans vos corps là, je n'ai pas absolument ou forcément besoin d'entendre ça. Vous me comprenez? Voilà. Je crois que vous me connaissez pour l'autre là. Ma bouche ne pèse pas. Ça doit parler, je parle. Parce qu'il y a les esprits en vous que je dois adresser. Si je dois adresser une blague, même pas avec vous.
Ok. Bon, on a fini. J'ai le numéro de Paris. J'ai quelqu'un en Belgique, j'ai quelqu'un aux États-Unis maintenant. Et Paris. Dubaï, c'est à confirmer. On est en train de finaliser Dubaï. Et le Tchad aussi, il faut qu'on fasse les derniers réglages. Côte d'Ivoire, Gabon, je vous en prie, j'ai beaucoup de personnes qui m'écrivent de là. Même pour envoyer l'argent derrière, c'est un supplice. Donc, contactez-moi pour ça. Bon, je vous souhaite une bonne journée. Pointez beaucoup aujourd'hui, hein. Pointez beaucoup d'âme. C'est votre mère qui vous parle. Au revoir.